Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Everspace. On repart, hein, aussi sec. Oula, on s'est déjà fait, ils sont là. On s'est déjà fait griller, littéralement. Et je n'ai déjà plus de bouclier, c'est génial. Le pas. Stop it. Voilà. Ah bah dis donc la violence. Je suis déjà mid-life littéralement. Ok, c'est cool. Merci le jeu. Tu veux bien récupérer le carburant ou je suis déjà full? Je suis déjà full. Bon. En plus ils sont nombreux les ennemis dans le coin. Approcher. Voilà, il m'a grillé. Et de 1. Voilà. Problème résolu. Au passage, je ne peux pas parce qu'il me faut du scrap. Ok, bon à savoir. Fuel, je suis déjà full. Est-ce que j'ai détruit sur les autres? Il pourrait pas me l'afficher. Bon, apparemment, ça l'intéresse pas. Là, il y a de l'éclairage. Ok, j'ai récupéré des power, enfin 9 power cells, pardon. Oh, du carburant, non? Mais il est bien son droit finalement. Ça c'était pas prévu. Mais je crois en plus j'ai détruit la caisse qui était à côté. C'est cool, merci Marcus, t'es intelligent. Et un container vide en plus. Ok, bon. Ça c'est un échec, hein. Je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus. Ok. Bon, on y va. Deuxième. On a déjà 13 missiles restants. C'est la fête. Alors, il va falloir qu'on augmente plusieurs choses. On va passer par le haut cette fois-ci. Hop. Ok, c'est joli. Ah, je m'en doutais un petit peu à vrai dire. Je vois au moins deux ennemis. Plus une station. Voilà, cristal c'est bon. Scout et scout. Putain, ça c'est chiant, je préfère les drones. Hostiles are targeting us. Et de une. Et je m'en doutais. Forcément. Hey, pourquoi ne... Allez, remonte. Ok, c'est parti. Deuxième. Restez à distance. Allez. Y...
Non, non, pas deux fois. Shield Breaker Missile, ça pourrait être bien, mais non. J'ai pas... Enfin, le problème, c'est que c'est des missiles qui coûtent beaucoup plus cher à faire. Allons voir. Oula! D'accord. Ça, c'est bon. Ok. On va le laisser hacker doucement. Et j'ai accès à toute la zone normalement. Ok. Merci. Bah, il y a un container, d'accord. Ah, j'ai tapé dans quelque chose. Ok. Le container. Ok. Power Cell, sur sa prix. 6 km, 6 km, 4 km. D'accord. 5 km. 3 km, 2 km. Oui, donc ça, ça je l'ai déjà vu. Par contre, là, le mineable ore que je n'avais pas vu. Donc ça, je vais le récupérer aussi. Hop. Ok. Alors maintenant que je suis là, container, 3 km. On y va. Hop. 3 km, utiliser un boost. Je me rappellerai les prochaines fois. Nano boost et scrap. Ok. Kilomètres, 6 km, 3 km, 4 km. Ok, on commence par celui qui est le plus écarté des ennemis. Est-ce que c'est rentable alors? Oui, sauf si tu fais ça, Marcus, derrière. Maintenant, tu as été repéré aussi, ça c'est pas bon. Energy Core Extension. Putain, c'est pas lui qui m'a chopé. C'est un drone. Lui aussi il m'a vu finalement. Ah, don't like it. Hop, ça c'est bon. Ok, je sais pas tout ce que je récupère plein de trucs que je connais pas en fait. Container, nanobots, pardon. D'abord. Fuel, mais je dois être plein, non? Ok, container, tech container. D'abord, repair. Il m'en reste 4, c'est cool. On s'en sort pas trop mal finalement. Build. Ah bah dis donc, je me rappelais pas que c'était aussi simple pour crafter. Ce n'est pas plus mal en fait. Damage limiter, reduce an incoming damage for a short amount of time. D'accord. Ça pourrait être intéressant à l'avenir, c'est vrai. Hop. Les soins qui remontent doucement, mais sûrement. Il y a donc des tourelles. Et Marcus, un peu plus de précision, ça ne te ferait pas de mal. Vraiment que je règle tout ça. C'est extrêmement sensible, hein, je vais pas dire. Mais... C'est extrêmement sensible. Hop, nano boost, nanobots pardon, et compounds, power cells ici, c'est parfait. Peut-être légèrement augmenter le radius, hein, c'est un peu, ça fait un peu dangereux dès que tu vas récupérer quelque chose finalement. More shoot, more loot. Light missile,
D'accord, donc ça m'intéresse pas. Du coup, j'aimerais... C'est avec G, c'est ça? Ah bah si, light missile, c'est mes missiles, merde. J'aurais pas dû les craft. Ok, bon bah je saurai maintenant que je peux récupérer directement des munitions. Ok, cool. Hop. Et on récupère ce qui est ici. Aïe. Ok. Ok, c'est bon. Ok. Quand même pas malin de tirer dans la propre station dans laquelle tu es, quoi. Enfin, je veux pas dire, mais... Hop. Ok. Attention, Marcus. C'est pas grave. Je l'ai eu. Hop, nanobots, 7. Génial. Container. C'était des crédits, cool. Voilà, elle m'a vu, je l'ai pas vu. Hein. Merde. Ah, d'accord. Ouais, c'est ça qu'on avait dit, hein, sur le niveau 3. Plus on restait à un endroit, plus les ennemis devenaient balèzes. Aïe. Par contre, me rentrer dedans parce que... Ah, je veux dire me rentrer dedans parce que justement je suis un joueur, c'est un peu débile. C'est ça que je trouve pas intelligent dans ce genre de jeu. Mais bon, c'est mon avis. L'aspect du suicide devrait... Enfin, le suicide devrait jamais être mis en valeur dans un jeu, à part sur des bestioles qui sont faites exprès. Des bestioles qui n'ont pas de PV ou rien. Mais là, à partir du moment où on avance dans un jeu, par exemple, quand on voit des élites dans Elite Dangerous, pardon, des pitons et des anacondas vous foncer dessus parce que voilà, vous êtes un joueur, bah, excusez-moi, mais ça fait un peu tâche. Drone, je pourrais peut-être commencer par le drone. Hop, suivant. Aïe, c'est l'explosion du truc qui m'a repoussé, quoi. Ok, c'est bon. Un de bots, crédit. Ok. Là, on a quoi? Du plasma. On va y aller. C'est un épisode qui se passe mieux que le précédent, quand même, hein. Je veux pas dire, mais... Ok, c'est bon, on l'a récupéré. Il a pas l'air d'y avoir grand chose dans cette zone. J'ai rien dit. Enfin, ça reste qu'une seule chose. Hop. Ok. Bon bah s'il y a rien, moi je saute, hein. J'aurais peut-être dû réparer avant, peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Et on arrive à la porte. Bon, est-ce qu'on se fait agresser dès l'entrée? Ça aurait pu. Trader, ça peut être intéressant. Oula, à gauche. Ok. Voilà pourquoi je suis toujours en corps à corps quand je fais quelque chose. Bah ils l'ont eu, c'est cool. Bah écoutez, si j'ai plus rien à faire, bah je fais quoi derrière?
Hop, scan. Enfin, hack. C'est l'habitude. Hop. Ok. Ok, il y a des objets partout, c'est cool. Fighters. Des containers, manable crystal. Bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va partir en premier. Je pense, hein. Oh, le gros astéroïde. Oh, le gros bestiau. Hop. Stasis missile. Si tu le dis à tes souhaits, hein. Ne fais pas de dégâts, mais... Ah, ça pourrait être moins utile que ça semble être. D'accord. Missiles de stase. Bizarre. Je pense que c'est des missiles qui sont justement faits pour être... Gatling. Gatling plus. Ah, attendez. Shield DPS, ça fait plus de dégâts. Par contre, elle consomme un peu plus. Et shield damage, elle fait plus de dégâts. Oh, bon, vas-y, swap. Ok. C'est fait. Ok, ça aussi, c'est bon, on y va. On y va, on y va, on y va. 6 km, je me suis permis de booster. Je me suis permis un boost. Aurais-je vraiment dû? Telle est la question. Bon, c'est pas grave, on rentre. On rentre, encore du cristal. J'ai l'impression d'être dans... dans Breaking Bad que l'hydrox soit le cristal. Parce qu'elle est tellement pure que c'en est incroyable. Hop. Hop. Oula, je me suis trompé de bouton. Con. Ici. Shock rifle, thermo gun. Thermo gun. Attends, ça fait plus de dégâts. Moins de dégâts. Ah, ouais, par contre, ça fait un... Ah oui, ça fait beaucoup moins de dégâts au shield DPS. C'est parce que ça tire moins vite. Sinon, ça fait plus de dégâts. Oh, hey. Allez. Swap. Et on range le shield, voilà. Hop. Ah merde. Pourquoi Thermogun 2 du coup là? Ah mais non, mais c'est le Thermogun que je voulais moi. Oh. Shock Rifle. Le Shock Rifle ça fait quoi? Qu'est-ce que... Oh. Ouais, ouais, c'est stylé mais... Ok. Ouh. Non, c'est bon, j'ai... Quoique le sniper était peut-être une meilleure idée. On va bien voir, on va s'amuser un petit peu, merde. Fuck it. I hate drones. Do something about these drones. Boom. What? Bon, alors certes, t'attire pas toutes les secondes. Mais bordel, les dégâts. Boum. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Rien, dommage. Tech container. D'accord, je crois que c'est le dernier de toute façon. Hop. Je me permets ce genre d'exaction. Oh la vache, je suis passé à côté. Energized boost. C'est ce que j'ai déjà, oui. Donc normalement je peux le salvage. Ok, cool. Bon, on va à la porte. On va à la porte. Ce thermogun est génial. Cooling down phase incomplete. Yes, alright. C'est véritablement la réaction qu'ont les joueurs. Allez, c'est parti. On y va. Donc, deuxième entre guillemets zone.
Je sais pas si j'ai véritablement le droit d'entrer là-dedans. Bizarrement, j'ai un doute. C'est une tempête magnétique ? Lightning in space. How? Magnetic fields causing friction. An anomaly. But quite visually striking. Et donc, ça fait rien? For a demilitarized zone, this place sure sees a lot of action. The demilitarized zone is the boundary established between colonial and Okar claims after the war. The buffer zone is intended to last until a longer peace can be settled. Hop, excuse-moi, je Since the Okar had prior claim, they hold authority over the zone. Je vois pas mes ennemis. The treaty stipulates no colonial fleet presence, although là, there are colonial mining interests deux at work tonnerre. In the area. And then, of course, the outlaw elements. Of course. Boum. Boum, il y a une espèce d'autoguidage, non? Boum. Ah oh, mais c'est épique. Light missile, bah c'est cool. J'aurais dû les gaspiller, j'ai été stupide. Donc ça c'est une base de quoi? Parce que c'est une base de... Si je fais ça, imagine. Oh, merde. Désolé. Je voulais vraiment pas, je suis désolé. Ne m'en veux pas. Mais non, je veux pas le viser lui, je veux... Voilà qui répond au problème. Non, je ne voulais pas faire ça, mais on ne sait pas si ce qu'on fait est légal ou pas. Ah. Allez, on se casse. On strafe légèrement, hop, voilà. Ouais, là c'est un peu dommage. Honnêtement, ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On sait pas vraiment en fait si ce qu'on va faire est légal ou pas. What happened here? What you see around you is the remnants of the conflict between the colonials and the Oka. First contact led to an escalating series of misunderstandings. Excuse-moi, je te coupe deux secondes, l'ami. Je viens de réparer les trois petites choses là. Understandings. Let's just put it at that. I see. Hop. Ah, j'ai été repéré. Bah, j'ai été repéré par des gens agressifs. Hop. Je suis low. Attends que ça recharge. Oh, c'est épique. C'est complètement épique. J'adore ce truc. Il me faudrait véritablement le plan. Et en plus, visuellement, ça claque, quoi. Enfin, je veux dire, ça aurait pu être moche et faire des dégâts, mais en plus, c'est beau, quoi. Qu'est-ce que ça fait sur les... Mais non, verrouille pas. J'ai verrouillé un truc derrière moi. Vraiment dommage. Hop, recharge, c'est bon. Crac. Processeur, on va récupérer ça. Hop. Ici, on avait autre chose. J'ai vu des crédits. Du fuel, enfin, du carburant. Scattergun, power... Oh la vache! Des nouveaux trucs par là aussi encore. Hop. Hop. Ok, c'est cool. Scattergun plus plus. Ok, c'est quoi? Ah oui, d'accord, oui. Non, ça je vais le... Ah, il y a des mods en plus. D'accord. Ça, je vais le récupérer, je suis désolé.
sur le principe, c'est... Enfin, j'ai besoin d'être prêt pour ce truc-là, mais ça a le mérite de... d'autolock. Vous voyez ce que je veux dire? Je connais pas encore suffisamment le jeu pour vraiment savoir si je peux vraiment me permettre d'aller au corps à corps. Pas. J'ai récupéré les crédits à travers le truc, ce qui n'est pas plus mal en soi. Dark Matter, on va la récupérer, du scrap là-bas. Plein de choses, c'est cool. Pour voir notre argent monter en flèche. Ok. Mineable Crystal. Crystal. On y va. Ok, bon, on n'a plus qu'à y aller, hein. De mon point de vue, du plasma. Hop. Il y a encore plein de choses en fait ici. Hop, là voilà, un petit peu de fuel. Shock Rifle 1. Hop. Alors, qu'est-ce que j'avais encore? Faut que je détruise encore plein de fighters, j'imagine. Power Cell 12. Récupérer ça aussi. Il y avait plein d'objets dans ce truc, c'est fou. Quand on voit qu'il y en a qui sont quasiment vides, des fois, on peut se poser des questions. Power Cell, regardez. Encore. Your assistance has been sought in recovering some lost goods. Ok. Plasma, nanobots. On récupère tout ça, hein. Oula. Wow. Hop. Ok. Hop, c'est bon, on l'a eu. Je considère que le boulot est fait. I'll take these. Ok, thank destroy you. 5 fuel tanks in a single run. Ouais, ça va être chaud ça aussi. Search area. What? Qu'est-ce que je dois chercher? Ça? Crédit? Encore des crédits là-bas? Search area? What the fuck? Un problème? Ah, faut que je les deliver to the walls. Là, je donne des serviettes littéralement. Ok. Ok, cool, on a fait une mission. Génial. Bon, bah, la suite, hein. En tout cas, cette zone est véritablement intéressante. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Génial. Absolument génial. Bon, on y va, je pense. Hein. On y va. On a 10 000 crédits, quoi. J'en ai jamais eu autant. Jamais eu autant, là ça va être la radia sur tout ce qu'il va y avoir derrière. Non, on va pas. Voilà, merci. Hop, on va pas jouer au con. J'ai pas. Bah. J'ai encore appuyé sur Shift parce que pour moi, Shift c'est sprinter donc accélérer, hein. Plus que espace finalement. C'est ça le véritable truc. On va passer par le truc au milieu, ça m'intéresse. Tellement de scouts et des trucs MK2 que ça me fait peur. Waouh. Boum. A freighter requires assistance in extracting itself from a minefield. A credit reward for your services has been offered. Okay, bah écoute, je suis un petit peu occupé. There can't be any more. There's always more. Always. Vache! Non! Non!
Oh, la différence de niveau. La différence de niveau. C'est fou. Oh, la vache. D'un seul coup, quoi. Ok, bon, pourquoi pas. Non, quoi, je pourrais mettre des points. Ça me semble être une nécessité de base. Store credits. Ça. Ça va être intéressant. Là, vous voyez, par exemple, là, à l'heure actuelle, je peux. Sur les 700, je vais garder 70 crédits. C'est déjà ça de prix. Plus j'en aurai, forcément, plus il y aura de. Pas intéressant. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est quoi? Bonus ressources. D'accord, ça, je prends. Ok. Bah, je croyais l'avoir. Ah oui, d'accord, c'est qu'il faut que je mette 4 fois de trucs dedans. Ok, bon. Eh ben écoutez, chers amis, du coup, on va cesser là pour cet épisode. Ce run a été assez intense, hein. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueurs de la Playroom, pardon. Pour retrouver tout simplement d'autres joueurs avec qui jouer, que ce soit sur les jeux que je joue ou d'autres. Encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour tes aventures. Salut les gens. Ah, d'accord, cette fois-ci, je vais devenir Leonard Williams. Ok, pourquoi pas. Un clone. Salut !